ça y est, on a investi les lieux, c'est vraiment très impressionnant. Il y a un vrai charme quand tu arrives dans la salle et ça te prend au corps, quoi. Ça te prend au trip. Et dès que tu montes sur scène, bah, ça y est, tu changes d'époque. Il y a tout le monde qui est habillé en 44. Et en plus, ce qui est drôle, c'est qu'il y a une trappe qui s'ouvre, il y a un plateau qui tourne, il y a des trucs sur roulette, ça descend, ça monte, on peut grimper. Enfin, c'est un vrai manège, quoi. C'est vrai que d'un seul coup, il y a tout un tas de choses qui étaient de l'ordre de l'imaginaire, qui prennent corps, et c'est à la fois super émouvant, et à la fois on sent bien que les choses se rapprochent. Puis il y a plein de poésie dans ce décor. Du coup, ça nous porte beaucoup plus, ça nous porte tout court dans tout ce qu'on a à faire sur scène. On part d'un lieu assez anxiogène qui serait une cave pour se protéger. Et de cette cave, il faut que tout soit envisageable. Un bateau ou un bar ou un pont, il y a plein de choses, une lune, il y a parfois des choses qui sont liées à l'enfance. Parce qu'encore une fois, le postulat de départ, c'était de dire je me suis mis à la place de ces femmes, en disant elles attendent, elles ont peur, le lieu qui les protège peut être un tombeau, parce que beaucoup de caves se sont écroulées pendant les bombardements. Elles le savent parfaitement, ça s'écroule partout. Dans cette cave, tout doit être possible. On est complètement déstabilisé parce qu'on a répété pendant plusieurs semaines dans un autre endroit où on a commencé à prendre un peu nos repères. Et d'arriver sur cette immense scène, parce que mine de rien, elle est gigantesque, dans ces décors et tout, c'est assez déstabilisant. Mais c'est très impressionnant parce que du coup, on a répété sur des... On descendait des faux escaliers qui étaient dans notre imagination et du coup, on avait calé nos textes par rapport à notre imagination, surtout pour le petit René qui descend beaucoup les escaliers. Et donc, le faire en vrai, ça change toute l'organisation, quoi. Faut se réadapter, faut apprendre à faire avec des vrais objets, plier des vrais vêtements. Mais donc, c'est super. Comme j'ai un peu le vertige, ouais, ça va être un peu galère de jouer, en plus que je commence de suite en haut. Mais non, ça va être cool, je pense qu'on va s'y faire. On descend en fin des marches, je pense que c'est un problème récurrent chez tout le monde. Pour l'instant, le plus difficile pour moi, c'est les chaussures. J'ai trop mal aux pieds. Bon alors, je sais, je chipote un peu, hein. Les filles vont me dire « Oh, c'est bon, ça va, c'est pas très haut ». Moi, j'ai pas l'habitude des talons. Alors, c'est un peu compliqué. Ça fait une semaine que je porte des talons tous les jours pour travailler mon pied et devenir une femme. Les comédiens, ils voulaient plein de choses. Ils voulaient chacun leur univers. Je dis, faites chacun votre lit, chacun sa boîte, avec ses robes, avec ses chaussures. Tout est réaliste. Et je lui dis, au fur et à mesure des journées, on va enlever pour garder l'essentiel. Moi, j'ai vu mon lit, j'ai fait, oh cool, c'est mon lit. Et je me suis allongée, et c'était mon lit. Et j'avais mon coussin, et j'ai cousu, et tout est très... Enfin, j'ai pas trop de mal, donc ça a été. Je déclare que si les filles votaient, il y aura sûrement moins d'idiots pour